Alors, bon, les dialogues. On se regarde un petit extrait ou pas? Non, pour se convaincre, parce que sinon je parle dans le vide. Hein. On se regarde un petit extrait pour se convaincre, c'est pas trop mal. Attention, lecture. Rapport, le commandant Chang a été tué durant l'assaut. C'est exact. Diriez-vous que vous l'aimiez? Oui, je l'aime. Vous voulez dire que vous êtes encore amoureuse de lui? Je serai éternellement amoureuse de lui. Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Oh. Passé et présent. C'est nul. Oh, les violons. Et par chaque crime, chaque bonne action, nous formons notre avenir. C'est nul! Plus fort, les violons! Parce qu'on l'entend. C'est... Dans votre révélation, vous évoquez la question de l'interaction entre les vies dans l'espace infini du temps. Croyez-vous qu'il existe une vie après la mort? Croyez-vous au paradis, à l'enfer? Je suis convaincue que la mort n'est qu'une simple porte. Lorsqu'elle se ferme, une autre porte s'ouvre. Si j'essayais d'imaginer le paradis, je verrais une porte qui s'ouvre. Et derrière elle, je trouverai mon bien-aimé. Et vous me renvoyez dans la scène, dans la salle du cinéma ou pas? Vous imaginez comment j'étais? J'en pouvais plus. Un truc comme ça, je peux pas, moi. Je suis rentré. Oh, mon sang, vous m'avez tellement manqué. Ah, faut s'accrocher, hein. C'est nul, hein. Et moi, je me mets comme ça, tiens. Ah non, mais attends, c'est chaud. Et toi, t'es obligé de mettre ça, t'as... J'aimerais vous poser une dernière question. Vous saviez que le projet de l'Union était voué à l'échec. Pourquoi avez-vous accepté? C'est ce que le général Apis attendait de moi. Il attendait votre exécution. Si j'étais demeurée invisible, la vérité n'aurait pas surgi. Je ne pouvais accepter cela. Et s'il n'y a personne pour croire en cette vérité? Quelqu'un y croit déjà. Madame, Dieu du ciel, je faisais justement le récit de votre extraordinaire aventure. Mais joignez-vous à nous. Apportez-lui ici. Oh non, merci. Je ne reste pas. Bon. Que faites-vous ici? Le médecin ne vous a-t-il pas prescrit 3 semaines de lit? En effet, mais ce qui m'amène est assez urgent. Je dois vous parler, monsieur, en privé. Bien sûr. Excusez-moi. Est-ce le contrat du révérend Rox? Oui, en effet. Donc j'aurais pu envoyer un boy. Avez-vous perdu la tête? Je dois la vie à un esclave auto-affranchi. Et je ne peux en toute conscience participer plus longtemps à un commerce de cette sorte.
qu'est-ce que c'est gnangnan? Ça ferait vraiment un super bouquin. Si on portait un toast. Qui? Nanar ou chef-d'œuvre? Ben voilà, hein. C'est de la merde. De graves flocons de neige tombaient sur l'ardoise des toits. Ces scénarios est mal écrit. Comme en plus de ça, t'as même pas des répliques qui claquent. Je suis désolé, c'est vraiment, c'est combo. Tu peux mettre Tom Hanks, hein, ça change rien. Il peut rien faire, le mec. Je ne serai pas seul. Bah, faut changer les notes, tu les changes toutes, tu fais autre chose. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que se passe-t-il? Je viens vous dire au revoir. Au revoir? Où vas-tu? C'est mon mec! Non, je peux! C'est nul! Pitié! Pardon! Et Hugo Weaving, on fait des caisses! Avec. C'était sur le rocher! C'est l'ultra enculé de base! Et sa fille, il n'aime pas, c'est le qui est le pognon, il veut la marier de force, tu vois! Ouais. Et puis lui, il aime bien faire des esclaves comme ça! Je pars aux côtés de mon mari. Ah, le méchant pouette-pouette, cucu, caca, nul! Tout est nul de ça. Écoutez-moi. En fait, à chaque fois que je le regarde, c'est encore pire. Hein. L'intérêt de mon petit-fils, si ce n'est le vôtre, ce monde obéit à un ordre naturel. Et voilà, Jean Smith. Non mais tu vois, les Wachowski, ils ont la... Hein, ils ont la Matrix, c'est quoi la maladie, je... ne survivra pas. Hein? Si vous les rejoignez, vous et toute votre famille serez rejetés. Ou mieux, vous serez des parias que vous m'humiliez. Pardon, hein! Pardon, il vous a posé un extrait, hein! Au moins, c'est clair! C'est censé être l'extrait qui claque sa mère, hein! Tout cela pourquoi? Alors, déjà, la musique s'est arrêtée, ça fait plaisir. Pourquoi? Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais plus qu'une minuscule petite goutte dans l'immensité de l'océan. Attention, réplique! Un océan n'est rien d'autre qu'une multitude de gouttes, monsieur. Aïe! Mais ouais! Ah, j'en peux plus. 7 minutes, l'extrait que je vous ai mis. On s'est tapé en entier. Bon, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien, les gars. On est pas bon. On est pas bon. La mer Égée s'effaçait sous les ailes de mon avion. Dans 10 heures, j'arriverai en Chine. Oh. Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Kalidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier et tu commettrais là une monumentale erreur.